go to the first of our sessions, which has the theme of evaluating mosaic conservation practice, which of course, in many senses, is the theme of our conference as a whole. They give this general overview of the situation. As I'm sure you will hear, conservation of mosaics, and you know it already, you don't need to be told, conservation of mosaics has been happening ever since antiquity, but the big change in the conservation of mosaics has come about in the last 50 years. And they will try and give an overview of how things started and how they have evolved in the recent past. And I believe they will only treat floor mosaics. They are not including wall mosaics in their presentation. So, to you, Gael and Roberto. Thank you very much, Mr. President. We decided to treat this topic not using the conference format, but I will do that in English. And to make your life easier, Gael will do and we will speak in French, so anytime you change, you will have to change your earphone. I tried to convince Gael to speak English, but I was not successful. And we will start jumping to the early 50s. We will start this review from the early 50s. And because at that time Gael was already a well-known professional, I will ask him directly which was the situation at that time. Merci Roberto. Donc moi-même je parle bien français et donc gardez toujours vos écouteurs à moitié dans l'oreille puisque moi-même je parle bien français et Roberto parlera dans une langue qui vous croit appelée anglais, mais c'est de l'italo-anglais. C'est assez intéressant, c'est une expérience très intéressante. Donc effectivement, je dois vous parler. Maintenant, vous parlez de la situation il y a ça 50 ans, et il y a 50 ans, Roberto avait l'habilité de dire que j'avais un âge avancé. Et il y a 50 ans, je n'étais pas encore dans le métier. Il y a 50 ans, si, j'ai commencé à visiter Pompéi et j'ai recueilli ma première tesselle que je garde précieusement. C'est un souvenir, je pense, un jour à ramener, je crois que très officiellement à Pompéi. Ce qui est sûr, c'est que quand on a. Dans le bureau d'un comité quand on a les cheveux blancs. Avant, à cette période, vont se trouver donc, devoir être détachés très rapidement, mais une étude a été faite laissant entendre qu'environ à cette époque-là, 90% des pavements étaient détruits à la découverte. Vous avez ici, si vous aviez un petit peu de chance, si vous aviez un petit peu de chance, les mosaïques après ça, les pavements allaient être entassés. Quelquefois, pour les plus chanceux, ils allaient être mis sur un support. Quelquefois, ils vont être mis à l'extérieur avec ces grandes saignées que vous voyez qui sont bien reconnaissables de la situation de l'époque. Après ça, les moins chanceux vont se retrouver empilés dans des dépôts plus ou moins sains. Il y aura certaines conférences aujourd'hui qui vont être faites expliquant dans quelles conditions ces pavements sont encore entreposés, quelquefois plats, quelquefois roulés. Et pour les plus malchanceux, au bout d'un certain temps, on les retrouvait dans une série de très jolies petites boîtes. À cette époque, deux figures professionnelles apparaissent. Rolf Wir en Allemagne, qui va travailler à Cologne, et Claude Bassier en France. Oui, là vous avez un bel exemple de mosaïque qui va être détruite. Voilà une mosaïque trouvée dans le sud de la France, voilà le lendemain, et voilà le surlendemain. Voilà. Donc ça va très vite, les problèmes de conservation sont rapidement résolus. Claude Bassier, qui m'avait fourni ces photos, était un ingénieur, était quelqu'un qui n'était pas du métier. Hein? C'était une personne extrêmement généreuse qui arrive dans le domaine de la conservation d'une origine d'entrepreneur. C'était un ingénieur entrepreneur privé
qui, du fait de son intérêt, va se trouver appelé aux quatre coins de la France pour des fouilles de sauvetage. Il, vu son côté entrepreneur, il est capable d'arriver dans les 24 heures avec plusieurs camions, une grue, des tentes pour chauffer en plein hiver, un système et toute une équipe prêts à détacher les mosaïques dans un temps record. Mais comme il va devoir transporter ces mosaïques de longue distance, entre autres, il va introduire plusieurs nouvelles idées. La première, il va introduire de nouveaux produits. C'est lui qui va, dans le domaine des mosaïques, introduire à la place du ciment et de la colle, introduire les résines. Il va introduire des nouveaux supports en recherchant des supports très légers, et alors que dans la profession on était encore sur support nid d'abeille en bakélite, il va aller chercher dans l'industrie de l'aviation les matériaux qui sont faits pour les ailes d'aviation, et ça va être le nid d'abeille en aluminium. Et surtout, ce qui va être intéressant, il va mettre au point une pratique systématique de la documentation. D'un autre côté, il va avoir quelque chose qui va être pas mal reproché, c'est qu'il poursuit cette pratique courante à l'époque de polir à nouveau polir mécaniquement les surfaces de mosaïque. Voilà comme je présentais la chose. I think that we should add another figure to the previous two, that is, I'm talking of Antonio Cassio from the Istituto Centrale del Restauro, has been a mosaicist for family tradition. He was the fourth generation of mosaicists in the family. He treated the restoration of mosaics applying techniques typical of the mosaic making, and especially in particular he was used to detach the mosaic by lifting small pieces, that means 1/4 of square meters. And this allowed him to approach this methodology in a much controllable and smooth way than the big pieces. And apart from those three figures, the situation at that time was basically made according to the following 7 points. The options when approaching a restoration was basically only one, the detachment of the mosaics. The interventions were undertaken without any planning. The workforce consists mainly of artisans, craftspersons, or carpenters. Practice was based solely on empirical knowledge. Materials used were basically only cement, glues, and gypsum. Documentation was lacking. Practitioners worked in an isolated way without the benefit of any professional organization. J'avais laissé entendre tout à l'heure qu'on détachait systématiquement les mosaïques. Je crois qu'il faut rappeler un cas tout à fait exceptionnel qui a été la fin de la fouille, qui quand même avait commencé déjà plus de 70 ans auparavant, de la Villa del Casale in Piazza Armerina. Et j'en parlais avec Nicolas Sandé-Price. En 1955, sous l'impulsion de Cesare Parandi, l'ensemble de ces mosaïques va ne pas être détaché et va être laissé sur place avec une protection maintenant décriée, mais une protection qui avait été à l'époque reconnue de l'architecte Minici. Protection qui va couvrir l'ensemble du site, l'ensemble de la villa et évidemment l'ensemble des mosaïques. And to remain in Italy 10 years later and in a different field, the mural painting conservation field, was undergoing a theoretical and practical reflection
which we have several years after important and direct impact on mosaic conservation. Oui, c'est vrai. À cette époque-là, c'est-à-dire on est dans les années à peu près 68, à peu près en 68, c'est en 68 exactement, l'ICROM, avec l'Institut central de restauration en Italie, commence le premier cours sur la conservation des peintures murales. Jusqu'à maintenant, la peinture murale était la plupart du temps traitée par des conservateurs restaurateurs de peinture de chevalet. Et l'Istituto Centrale del Restauro et l'ICROM se rendent compte qu'il faut faire quelque chose de particulier et ils commencent le cours de peinture murale qui va durer plus de 25 ans. Mais à l'époque, le grand moment du cours, c'était lorsqu'on détachait la peinture murale, évidemment. Alors, c'était, vous voyez, les participants peignaient une peinture murale et les participants de l'année suivante venaient à la détacher et puis, vous voyez le résultat, vous voyez la peinture, et puis ce qu'on en enlevait et ce qu'on en laissait sur place. Mais évidemment, ce cours qui a beaucoup marqué, très rapidement a évolué du grand moment qui était la détachement de la peinture murale au grand moment qui en fait est devenu la conservation de la peinture murale in situ. Parce que très rapidement, des personnes comme M. Philippot, M. et Mme Morat ont reconnu que la peinture murale était partie intégrante du bâtiment et qu'on devait tout faire pour la laisser sur le lieu pour lequel elle avait été faite. In fact, in 1977, this evolution and this approach produced the Mora Philippot book on conservation of mural painting, that it is still today an important tool for our profession. And probably all this was in the air in 1977 when the IUGA organized the first conference on mosaics in Rome. Oui, c'est vrai, c'était dans cet esprit-là qu'a été faite la première conférence sur la conservation des mosaïques qui a eu en novembre 1977, c'est-à-dire il y a 28 ans. Il y avait, je vous dis tout de suite, vous voyez la salle, c'est-à-dire que ça aurait tenu dans moins d'un quart de cette salle-là. Il y avait au total 45 participants. Sur les 45 participants, vous voyez ici M. Morat, Mme Morat. Il y avait, vous le reconnaissez, il est dans la salle, Monji Naifer qui représentait la Tunisie. Il y avait, représentant la IUMA, avec ses belles moustaches, Henri Lavagne. Maintenant, il y a des membres de moustaches blanches, vous voyez, chacun a des peu à la IUMA, voilà. Enfin, tout ce beau monde s'est retrouvé, nous étions seulement 45, et nous avons créé à la fin le premier comité. Ça a été la décision de créer le premier comité qui comprenait le directeur de l'ICROM, ex-officio, Henri Lavaque, en représentant la IEMA, Irina Andrescu, Claude Bassier, Monge Naïfer, Laurent Franceschi, Paolo Mora, William Moritz, Maria Luisa de Rocha, Beto Villa et Rolf Beer. Ce sont eux qui ont créé ce comité. Je veux dire, à l'époque, le directeur de l'ICROM m'avait proposé, lui a été demandé par le président de l'époque qui était à Omora s'il pouvait y avoir un secrétaire. Le directeur de l'ICROM a proposé que je sois secrétaire pendant 6 mois. J'y suis resté secrétaire pendant 9 ans. Je me suis bien accroché au branche basse. Donc voilà la création du comité, c'est un moment important. Et puis alors évidemment les actes, les premiers actes étaient mosaïques numéro 1, détérioration et conservation. On parlait de détérioration, on ne parlait pas de restauration. Détérioration et conservation qui était publié en anglais et en français. Ça a été une longue série qui de il y a 9 maintenant. Et cette série
s'adresse, voyez-vous, on disait, la connaissance du problème est nécessaire, du problème de la conservation des mosaïques, et donc ça c'est à tous les niveaux. Au niveau des conservateurs-restaurateurs, au niveau des archéologues, au niveau des administrateurs, et même au niveau du public. Je crois qu'on en parlera tout à l'heure de ce problème de niveau du public. Et puis il y a une recommandation, tout de suite, créer un cours. Comme il y avait un cours spécifique pour les peintures murales, on voulait un cours spécifique pour la conservation des mosaïques. Yes, this conference in Rome was at the same time the starting point for the long series of meetings, of which the one here in Amamet is the number 9. And we have also to remember that at the end of each meeting, it followed the publication of the act. And after Rome, the following meeting was in Tunis in 78. This remarking that Tunisia, in fact, very soon became the country which most supported and very generously hosted several meetings of ICCM, especially through the IMP. Another two meetings were in 83 in Aquileia and 86 in Soria. What you are seeing here obviously are the cover of the book that have been published following each meeting. Then in 1990 in Palencia in Spain, 93 in Coimbra, Portugal, then 96 in Nicosia, Cyprus, in 99 in Arles and Saint-Romain and Gal, France, and together with the publication of the acts, we don't have to forget the publication of the newsletters, and that's which you can see here, the cover of the publication. So as you have seen from the covers of the book that I showed, there is a certain quantity of bibliography that has been established thanks to the meeting of this committee. And this basically represents the basis, the basic tools for our profession today. Si, et je crois qu'il y aura d'ailleurs Francesca Piqué va aujourd'hui faire une analyse justement de cette littérature pour savoir si elle a servi ou pas. Je voudrais rappeler que avec les publications représentaient l'évolution de la profession et l'évolution que le comité a, le bureau du comité a cherché à orienter. Et cela se voit très bien sur les titres des différentes conférences. Si l'on regarde à Rome, la Rome et Tunis, c'était détérioration et conservation. Et conservation. Le problème, c'était l'urgence. Les mosaïques s'endommager. Il fallait faire un fil d'alarme. Puis il y a un second groupe qui va être Aquileia, Soria et Palencia, où trois fois de suite, on insiste sur la conservation in situ. Puis cette série sur Coimbra, Nicosie, Arles et Thessalonique, on verra qui va maintenant s'intéresser au public. On conserve pour le public. Et puis évidemment, Amamet, qui va essayer de tirer les leçons du passé. Vous voyez bien l'évolution. Et vous pouvez voir que nous avons suivi dans le comité de mosaïque l'évolution qu'il y a eu dans le domaine de la conservation des peintures de marbre. In fact, was pretty well clear at that time that cement, for example, the conservation of ancient monuments was representing a great factor of risk and damage. And in answer to this, it is important to recall that Giorgio Torraca launched a research to replace cement or resin with new material,
with a new material that paradoxically is the oldest one, that means lime and lime-based mortars. And even leading into this committee, it took almost 10 years of ferocious battles and discussions to see lime commonly accepted and applied in direct contact to the mosaic, replacing the cement. And in fact, in the following years, this has allowed what today is becoming common, that is the in situ consolidation of mosaic and the development of the practice of the maintenance of the mosaics in situ when it's possible. Oui, après les batailles féroces dont vous parlez, parce qu'il y avait pendant très longtemps des personnes qui disaient mais on a utilisé le ciment, ça marche, et on s'est rendu compte que malheureusement il y avait des gros risques. Il a fallu ces batailles. Finalement, après trois conférences de discussion, une approche un peu plus flexible du comité a été mise au point et a été acceptée donc, par le comité, par ceux qui mettent en pratique. Et cette approche peut se représenter comme ceci, avec cinq solutions que vous voyez sur la droite de l'écran. La première solution est la mosaïque présente un intérêt limité et il y a des travaux publics, on ne peut pas la conserver, donc ça amène à la destruction des volontaires et accepter la mosaïque. La solution B, c'est la mosaïque est détachée puis est reposée sur un support fixe dans un musée, et maintenant on évitera des supports en ciment, évidemment. La troisième solution, la troisième, la quatrième et la cinquième, ce sont des solutions où on laisse in situ le pavement, soit dans la solution C en recouvrant, réenterrant, soit dans la solution D en détachant et en remettant en place sur un nouveau support, et soit la solution E qui serait l'idéal quand on le peut, situation où on consolide sur place et on protège la mosaïque. Chacune, évidemment, de ces solutions demande une planification très sérieuse et l'abandon d'un certain nombre d'idées, d'un certain nombre de pratiques. On a vu pendant trop longtemps que cette pratique de non-planification amenait à soit laisser la mosaïque sur place et elle va se détruire, soit détacher la mosaïque et ne plus la remettre sur un nouveau support et elle va se détruire dans les réserves. Évidemment, cette approche, cette façon de travailler qui date encore, est encore aujourd'hui pratiquée par un certain nombre d'archéologues qui pensent que leur travail se termine le jour où ils ont fini leur fouille et fini leur publication. And to go back to the list of the titles of the conferences that you gave before, there is to say that after the three conferences that were dedicated to in situ conservation, the following four were including in the title the award presentation. In fact, in Colombia, the title of the conference was Conservation, Protection and Presentation. In Nicosia was a mosaic made site. In Arles was mosaics conserved to display. In Thessaloniki was wall and floor mosaic conservation, maintenance and presentation. It is interesting that already in the 1977, in the introduction of the proceeding of the meeting in Rome, it was said that public should be involved, so that specialists responsible for conservation receive support from both groups and individuals. It is the public, after all, that benefits and is served by the worldwide conservation movement. 1977. And this finally established in our field the recognition that our profession is aimed at presenting to the public the meaning of the cultural properties which we are conserving. And I can assure you that when you have
100,000 people visiting the places where we are saving mosaics produce an incredible consensus that can support very strongly the action that we are undertaking. And all the topics, including this last one, that we have introduced, represent the new approaches that required adequate training. C'est vrai, et comme je l'avais dit, dès la première réunion, 1977, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de formation véritablement donnée. Il n'y a pas de cours régulier, comme il pouvait y avoir un cours régulier dans les peintures murales. Et dès le premier comité, on avait décidé de créer un cours. En fait, le premier cours sur la conservation des mosaïques a eu lieu 12 ans après. Il a fallu 12 ans d'efforts pour faire le premier cours qui ne durait qu'un mois, qui a eu lieu à Rome et qui a été, auquel ont participé différents archéologues, dont certains se trouvent dans cette salle et dont certains même se trouvent sur le bureau du comité. Ce n'est que plus tard qu'un programme à long terme a été lancé par le Getty Conservation Institute, ici en Tunisie, je crois en 1998, programme qui passionne de techniciens en conservation et en entretien des mosaïques sur le site. Le résultat impressionnant de ce travail, de ces 7 années d'implication, sera décrit évidemment pendant cette conférence, et je crois que nous irons sur des sites, nous pourrons voir les résultats, et nous pourrons rencontrer même les collègues, nous pourrons rencontrer les collègues qui assistent à cette conférence et qui ont participé à cette formation. Mais à part ceci, cette implication à long terme, à part ceci, il n'y a que quelques petits essais à droite et à gauche, de formation sur le lieu, mais pas de cours réellement qui soient réalisés malheureusement. Yes, Gael, the president is reminding me that we have 3 minutes missing, and because we have 25 more pages, we will jump directly to the last one. Pour le bon. Il a dit autant les gens aussi, le bac, il dit, il a dit, il a So, in 50 years we have gone a long way, and I think that the creation of ICCM has been a landmark. It is evident today that the perspective that the committee faced is not anymore referred to the single tessera or few square meters as it was 25 years ago, but yet it has greatly widened up to entire mosaic complexes and sites, where thousands of square meters of mosaics are in danger. It is also clear that several professional figures approach today the common problem of mosaic conservation, and among them, the scientists, for example, are today more interested in approaching the mosaic conservation globally and not anymore through the lens of a microscope. And the fact that 230 colleagues from 30 countries with so many backgrounds are here today indicates that common problems exist, and that at the same time the interest to solve them within a common platform is very high. Il n'y a aucun doute qu'il y a un grand chemin qui a été passé, qu'on a parcouru en 50 ans. Je crois que c'est important pour ceux d'entre vous qui arrivent pour la première fois dans ce comité. Il y a eu un grand travail qui a été fait, mais il est sûr qu'il y a tout un tas de problèmes encore qui doivent être résolus. Il est sûr qu'il y a des milliers de mètres carrés de mosaïques in situ qui continuent à se détruire. Et là, il y a 4 problèmes majeurs qui devraient être résolus, espérons-le, dans les prochaines années. Le premier que je vois, c'est le problème de la protection contre tout ce qui est herbe et tous les problèmes des attaques biologiques. Le deuxième, c'est le problème de la restauration des mosaïques qui, dans les années précédentes, ont été
mise sur ciment et qui maintenant commence à s'endommager puisque le ciment a vieilli. Et ça, ça sera des kilomètres carrés de mosaïque qui devront être retraités. Le troisième problème, c'est le problème de recouvrement, réenterrement des mosaïques que l'on fait, mais on n'est pas arrivé vraiment à mettre au point une technique bien claire, acceptée par tout le monde. Et le quatrième, c'est évidemment le coût de l'entretien. On parle tous, il faut entretenir, etc. Il faut maintenir un site doux. On ne sait pas vraiment combien ça coûte. Et trop souvent, ce comité à mosaïque a parlé technique, mais n'a pas parlé finance. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Et si vous permettez, si Monsieur le Président me permet un dernier commentaire, j'ai la droite, là. Je voudrais dire que jusqu'à maintenant, pendant ces 27 ans, ce comité est arrivé à travailler avec des discussions sérieuses, mais en paix, et à travailler avec un très bon esprit, et c'est extrêmement sympathique. En 1977, à la fin de la réunion, nous avons tous dansé ensemble, Let me tell you that yesterday Gael said you cannot put that slide, and he said at the end when I insisted, he said you can put, nobody will recognize me. Voyez un peu, quand on applique, la conservation préventive, vous voyez ce que vous avez. Voilà. En 77, on dansait, je crois qu'à presque les conférences, on a dansé. Photo du jus, vous voyez, il y avait beaucoup plus de monde, c'était en 99 à Arles et à Saint-Romain-en-Galles. Vous pouvez reconnaître certains d'entre vous dans la salle, eux aussi ont vieilli, hein, eux aussi. Hein. Il y a eu toujours un bon esprit, et j'espère que cet esprit va maintenant se maintenir, que l'on continuera à penser à cette conférence comme aux prochaines conférences. Voilà, merci.